Que ce soit pour faire des boissons fouettées, de la vinaigrette ou de la soupe, un mélangeur est un petit appareil pratique dans une cuisine. Comment trouver celui qui répond à vos besoins? Pas de souci, vous avez ce qu'il faut. Commencez par déterminer la puissance nécessaire en watts en fonction de la fréquence à laquelle vous utilisez un mélangeur et de ce que vous mélangez. Si vous n'utilisez un mélangeur qu'à l'occasion pour fouetter des sauces ou faire un lait frappé lorsque l'envie vous prend, un mélangeur de moins de 600 watts vous conviendra sûrement. Si vous êtes un utilisateur habituel, car vous faites des frappés avec glace, fruits surgelés et légumes tous les jours, vous aimerez la puissance d'un mélangeur de 1000 watts. Si vous utilisez un mélangeur régulièrement et aimez obtenir une texture soyeuse lorsque vous broyez des fruits et légumes, un appareil de 1300 watts ou plus est un bon choix pour vous. Ces mélangeurs haute performance pulvérisent la nourriture rapidement et facilement. N'oubliez pas que plus de puissance veut dire plus de bruit. Plusieurs grosseurs de mélangeurs sont offertes. Les mélangeurs en portions individuelles sont pratiques pour faire des boissons frappées pour une ou deux personnes régulièrement. Les mélangeurs à récipients sont offerts dans différentes grosseurs, mais sont généralement utilisés pour les plus grosses portions. Si vous voulez mélanger des boissons glacées pour plusieurs personnes, un récipient moyen suffit. Cependant, il vous faudra un récipient plus grand pour mélanger une grande quantité de soupe. Certains mélangeurs offrent les deux, avec un récipient et une tasse à emporter individuelle allant sur le même socle pour passer de l'un à l'autre facilement. Certains mélangeurs n'ont que des boutons de mise en marche et d'arrêt, tandis que d'autres offrent des fonctions de mélange spécialisées. Vous pouvez choisir un mélangeur avec différents réglages de vitesse. Les vitesses lentes broient les aliments graduellement, tandis que les vitesses plus rapides mélangent les liquides rapidement. Les boutons de pulsation et pour broyer la glace sont également pratiques pour faire des boissons glacées ou mélanger des fruits congelés. Les mélangeurs haut de gamme peuvent également avoir des réglages automatiques selon ce que vous mélangez. Un réglage pour boisson frappée commence par pulser le contenu gelé, puis attire tous les ingrédients vers le bas pour les mélanger. Le bon mélangeur agrandira votre répertoire culinaire rapidement. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut!